porte de l'abri initialisée. Veuillez reculer. Faire ça tranquille, tu es en mode je vais vous apporter des je peux changer des... Non, non, je suis bien. Non, non, on va laisser comme ça. Bon retour à la surface. Et merci d'avoir choisi Voltec. Ouais, bien sûr. Ah, c'est dégueulasse. Ah, vilaine bébête. Barbe, Barbe! Oh! C'est vraiment vous! Mon Dieu, ils l'ont fait. Tous ces combats, et pourquoi? Tout est mort. Tout est mort? Ah oui, le jardin. Les fleurs m'ont causé bien du souci, je l'admets. Si seulement votre époux était là pour nous aider. Où est-il d'ailleurs? Ils l'ont tué. Madame, ces choses que vous dites, ces choses affreuses, je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui, une distraction pour lutter contre cette déprime. Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames, ou pourquoi pas aux charades. Sean adore ce jeu. Est-il avec vous? Il a disparu, putain. Quelqu'un l'a enlevé. On m'a pris mon bébé. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement due à la faim.
C'est le genre de choses qui arrivent quand on ne mange pas pendant 200 ans dans les peurs. 200 ans? Quoi? Qu'est-ce que tu... Un peu plus de 210 ans, en fait, madame. Plus ou moins quelques minutes, en raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie que vous avez deux bons siècles de retard pour le dîner. Souhaitez-vous que je vous prépare une petite collation? Vous devez avoir faim. Cotsworth, tu as un comportement un peu... étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, madame, c'était affreux. Deux siècles entiers sans personne à qui parler, et personne à servir. J'ai passé les 10 premières années à essayer de cirer les sols, mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques. Rien. Et je ne vous parle pas de la futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée. Et la voiture? Comment faire pour polir la rouille? Qu'est-ce que tu sais, Cotsworth? J'ai bien peur de ne rien savoir du tout, madame. Les bombes sont tombées et vous êtes tous partis précipitamment. J'étais certain que vous et votre famille étiez morts. J'ai retrouvé cette holobande. Je pense que monsieur souhaitait vous en faire la surprise, mais ce que vous savez, c'est produit. Une holobande? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Je pense qu'il s'agit d'un message d'ordre privé qui vous est adressé. Mes protocoles de convenance m'empêchaient de la lire. N'importe quel lecteur d'holobande devrait vous permettre de la lire. Comme le Pip-Boy que vous avez au bras, par exemple. Il devrait parfaitement faire affaire. Bon, je me suis suffisamment apitoyé sur mon sort. Souhaitez-vous que nous inspections le quartier ensemble? Peut-être retrouverons-nous monsieur et le jeune Shaun. Je ne sais pas, Cotsworth. Suivez-moi.